Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Rappelez-vous que ce sont des guidances intemporelles. Elles sont valables à partir du moment où elles font tout simplement écho à l'intérieur de vous. Allons-y. Avec une première carte. Allons-y avec elle. Oh non, hésitation. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Je ressens le 2. Attendez un peu. Bon, le soleil. Une belle journée, clarté, lumière, chaleur. Ferme. Bien là, en fait, le mot ferme me fait penser à la campagne. Être à la ferme. La nature, une belle journée. J'ai l'impression de revenir à comme à l'essentiel. Allons-y, continuons. Il fait beau. C'est l'énergie d'un masculin, peut-être un père, une personne bienveillante ici. On peut me parler d'une personne en affaires, travailleur autonome, une personne à son compte. Continuons. Il attend le retour ici d'une dame. Attendez une minute. Continuons d'explorer. Je vais y aller avec une carte rose. Une femme au cœur jeune. Une femme qui aime avoir du plaisir. Oups! Séparation. Ils sont séparés l'un de l'autre. Là, je vais déposer une carte sur séparation pour avoir des détails. Sur séparation, qu'est-ce qu'on veut me dire? Séparés depuis longtemps. Séparés depuis longtemps. Et on attend le retour de cette personne. Ici, c'est la carte de la bonne dame, celle qui accompagne. La carte qui représente la vie, la nature, dame nature. La femme au chapeau. C'est la carte qui représente aussi la guérisseuse, la vie qui nous guérit, celle qui prend soin, prendre soin de la vie, prendre soin de sa propre vie, prendre soin de soi. Donc là, ici, on est en train de me dire qu'on on me présente une personne, l'énergie d'un masculin. Ici, le soleil. C'est chaud, c'est feu. C'est la carte du bon monsieur, séparé depuis un certain temps.
d'une femme au cœur jeune. On attend son retour. Je vais déposer une autre carte. On attend son retour au foyer, à la maison. C'est la carte qui est en dessous. OK, continuons. Il l'attend. Depuis longtemps, c'est vraiment l'énergie d'un masculin qui est là, un leader, celui qui veut construire, qui veut bâtir ou rebâtir. C'est une carte qui me parle de solidité. Une personne qui fait preuve de gros bon sens. La stabilité. Je vais déposer une carte ici. Ah, attendez, une décision difficile à prendre ici concernant une relation. On n'arrive pas à oublier une certaine personne. Donc, il n'arrive pas à oublier une certaine personne. Le goût de quoi? De prendre une chance? C'est comme si c'était une histoire qui n'était pas encore terminée. Il n'y a plus de communication. Il attend son retour. Attendez, je vais piger une autre carte ici sur l'autorité. Bon, ici, c'est la carte qui me dit, attendez un peu, il y a quelque chose qui doit être clarifié. Ici, on me présente la carte du mariage. Ici, une personne de loi. Oh, attendez une minute. Séparé depuis longtemps. Là, j'entends ça. Je vais regarder les cartes. Séparé depuis longtemps. Un masculin qui est séparé depuis longtemps. Il attend le retour d'une certaine personne. Quelque chose à clarifier. Ici, c'est une personne de loi. Et on présente le mariage. C'est un masculin qui veut, on dirait, rebâtir, reconstruire. Étant donné que j'ai entendu séparer depuis longtemps, comme s'il était seul. Et comme s'il était disponible. Il veut reconstruire, peut-être même se remarier. S'engager. Oui, c'est celui qui veut construire sur une fondation solide. C'est une carte d'engagement. Le mariage. Là, j'entends, il n'attend plus le retour d'une certaine personne. Il est séparé depuis longtemps. Il veut reconstruire. On me présente la lumière. La lumière, le soleil, me parle de quoi? D'authenticité. Il veut être vrai. Authenticité, lien de confiance. Il veut construire le lien de confiance. Il veut s'engager. Il attend une certaine femme. Il veut s'engager, on dirait même officiellement. Bon. Je
vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Attendez, là, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, j'ai l'impression qu'il veut recréer, rebâtir le lien, un lien de confiance. Il a vécu une séparation. Il est séparé depuis longtemps. Il attend. À la fois, il n'attend plus le retour d'une certaine femme et à la fois, il attend le retour d'une autre. Il veut reconstruire, s'engager, être vrai, être juste, être loyal, retrouver son équilibre, reconstruire sur une fondation solide. C'est comme une seconde chance. Oui, il est prêt à s'engager envers lui et envers une autre personne, envers une autre femme. C'est ce que je rencontre. L'univers, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. On nous dit quoi? Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. C'est comme si je le ressentais disponible, prêt. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine.